Sur la place de la paix ce matin à Nouméa, s'est tenue une prière initiée par le père Roch Apikawa et le pasteur Var Kaemo, en compagnie du sénat coutumier, la mairie de Nouméa, ainsi que les représentants des différentes églises du pays. Ces tumultes arrivent à un moment crucial du calendrier religieux. Profiter de l'occasion que demain, dimanche, c'est la Pentecôte, effusion de l'esprit, pour faire quelque chose dans ce sens. Et pour nous, ça tombait bien. Donc, cette occasion pour implorer ensemble cet esprit pour qu'il soit sur nous, pour que déjà nous apprenions à discuter ouvertement les uns les autres, et puis espérer vivement que les choses se rétablissent. On nécessite qu'on cherche tous les moyens, toutes les voies possibles qui amènent à arrêter cette situation dans laquelle on se trouve et à chercher les voies du dialogue pour qu'on puisse recommencer à se parler. Une Nouvelle-Calédonie multiethnique qui sourit et marche sereinement, malgré le malaise qui sévit depuis quelques jours. Ici, au campus des îles à la Vallée des Colons, résident près de 180 étudiants venant des îles, du sud, du nord et même de Vanuatu ou encore de Wallis et Futuna. Le repas se fait habituellement au réfectoire, mais depuis lundi soir, les cantinières ne peuvent se rendre au campus. Une organisation en interne s'est donc installée avec les 80 étudiants qui ont préféré rester là. À court de provisions, un appel de dons a été lancé sur les réseaux sociaux. Et là, ce que vous voyez ici, c'est tous les dons. On avait fait un appel aux dons hier parce qu'on n'avait plus de tout ce qui est féculent. Donc, il y a beaucoup de familles, le voisinage et des associations aussi qui sont venues nous déposer de quoi manger. On a aussi le gouvernement du Vanuatu qui sont venus aussi parce qu'on a une trentaine de Vanuatais ici. Les garçons, ils tournent, ils veillent jusqu'à 3 heures du matin. Et là, ils sont de repos et ce matin, en se levant, ils font un peu le nettoyage dans les bâtiments parce qu'on n'a pas les services de ménage. Je préfère être ici et puis on est en protection. Enfin, on sait d'autres frères. Ici, on est une famille dans le campus. Et voilà. Le campus des îles remercie infiniment son voisinage et les personnes qui ont répondu à leur appel. Libérer les routes, c'est l'appel lancé par le gouvernement cet après-midi. Les barrages ont de lourdes conséquences sanitaires et sociales. Il y a des gens dialysés qui devaient être dialysés et qui ont trouvé la mort. Tous les jeunes là qui sont sur les barrages, écoutez-nous, ouvrez. Peut-être ta maman, ta sœur, ton grand-père, ta grand-mère, il doit aller se faire soigner. Et c'est peut-être toi qui vas l'en empêcher. Autre conséquence des barrages, pas de ravitaillement des magasins de première nécessité. Le fait que nos populations ne peuvent pas se nourrir convenablement, ça commence à poser des problèmes. Et ces problèmes-là risquent de s'envenimer dans les jours qui viennent. Notre pays n'est pas en risque de pénurie, mais c'est surtout tous les problèmes de logistique. Pour pouvoir alimenter non seulement les grandes surfaces, mais aussi le commerce de proximité. Les barrages bloquent aussi le trafic aérien. Selon les compagnies Air Calin et Air Calédonie, près de 3200 personnes sont en situation difficile, bloquées sur les loyautés ou à l'étranger. Témoignage. Depuis 5 jours, pillages, vandalisme, affrontements entre les forces de l'ordre et les émeutiers ont secoué le pays. Au cœur de cette crise, nous avons décidé d'interroger une personne qui a tout perdu dans un incendie. La maison de ses parents est partie en cendres. On écoute Julien, on lui a donné ce nom d'emprunt pour témoigner à visage caché. On l'écoute au micro de Michel Pimbé. La première nuit, ça a été assez calme, on va dire. Ils étaient posés sur les ronds-points, mais sans grande manifestation, quoi. Et c'est à partir du mardi où il y a un début de déchaînement de violence. Ils ont commencé à partir de 18h, le couvre-feu, à mettre le feu du coin à une entreprise qui est dans notre rue. Donc voilà, cette nuit-là, on n'a pas dormi, c'est simple. On a veillé toute la nuit pour qu'il n'y ait pas d'autres maisons qui prennent feu dans la rue, pour protéger ce qu'on avait à protéger nous, chez nous, mes parents, ma mère, voilà, des choses comme ça. On a pu un peu se reposer mercredi matin. Et mercredi après-midi, les caillassages ont commencé sur la maison, sur les véhicules, sur la toiture, surtout des beaux parpaings sur la toiture. Donc voilà, j'ai dit qu'il fallait partir, j'ai dit à mes parents, on va se mettre en sécurité, j'étais là pour les protéger. Donc on a fait des affaires rapidement,
On a été se retrancher à l'arrière de notre domicile, on a une résidence, j'ai perdu le permis pardon, d'aller nous retrancher le soir. Et le soir, ça a été compliqué, on va dire. Ils ont commencé par mettre le feu à un premier domicile de notre côté de la rue. On pouvait rien faire pour cette maison-là, mais avec les riverains, on a réussi à sauver notre maison une première fois. La police est intervenue. Mais on savait très bien que quand la police allait partir, ils allaient revenir encore plus énervés. Et dans nos têtes, c'était déjà fini. On savait très bien que la maison allait partir. Donc voilà, la nuit, ça a été une nuit d'horreur. Voir sa maison brûler, mettre mes parents à l'abri pour pas qu'ils aient ces images-là. Mais mon père, au final, est sorti et on s'est retrouvés tous les deux sur le trottoir à regarder la maison partir, quoi. Voilà, c'est des choses horribles. Mais oui, il y avait des jeunes avec qui j'étais à l'école, avec qui j'étais au collège. Voilà, c'est dur de dire qu'il y a eu un destin commun à un moment. J'ai partagé des cours de récréation avec eux, des cours de classe, des repas à la cantine. Et tu te dis, ces gens-là, ils viennent chez toi un soir et ils viennent te bouler. Non, il y a... Je sais pas s'il y a une solution là, aujourd'hui. C'est incompréhensible, on est abattu et... Je reste fort pour mes parents, aujourd'hui je vais parler parce que je sais que c'est pas possible qu'ils partent. Donc je reste fort et il n'y a pas le choix de toute façon, il faut qu'on avance. Et on espère que le calme va revenir rapidement quand même. Trois nouveaux décès sont à déplorer ce soir en Nouvelle-Calédonie. Dans l'après-midi, une personne d'origine européenne est décédée à Calagomène. Deux autres personnes blessées ont été transférées au centre hospitalier du Nord. Par ailleurs, le gouvernement a révélé qu'un jeune avait été victime d'un tir accidentel à la Conception, au Mont d'Or. Enfin, à Nouméa, un motocycliste est décédé vendredi soir sur la voie de dégagement ouest. Selon le parquet, ce motard est venu percuter un véhicule incendié sur la chaussée. 19h30, Raymond et ses équipes continuent leur ronde de surveillance dans le secteur du GDPL Clanique de Bako, autour des commerces. C'est bon, hein? C'est bon. Je vais aller retourner là pour regarder comment ça se passe. Ils sont montés comme ça. Hein? D'accord, mais après ils surveillent les deux. Voilà, ils descendent en bas. Hein, ouais. Et nous, on va monter. Mise en place depuis mardi, cette action citoyenne de surveillance est un moyen pour le GDPL Clanique de Bako de rassurer la population et les commerces de la zone. Tout ce qu'on veut, c'est que ben, le projet reste comme elle est, quoi. Parce que demain, si elle brûle, ben, tout ce qu'on a construit, ben, tout est à l'eau, quoi. On va recommencer à zéro. Tout ce qui se passe à Nouméa, j'espère que ça va vite trouver une solution, parce que si ben nous on protège la zone, mais on sait que demain si ça arrive ici, ben on pourra plus protéger, quoi, parce que nous tout seuls on va rien faire. Après un tour sur les différents points de surveillance et s'être assuré avec les jeunes sur place que tout se passe bien, Raymond retourne au point de rassemblement principal. C'est bien passé. Ouais, c'est bon. Par rapport à hier, ça va. Plus calme ce soir. Oui, c'est plus calme. On essaye aussi de faire en sorte que les petits jeunes, cette présence, c'est pour éviter que les petits jeunes ils voient ce qui se passe ailleurs et essayent de venir incendier ou piller. En plus, ce sont nos jeunes à nous, donc on ne va pas les courser, enfin les tirer à coups de fusil, donc il n'y a pas de fusil, il n'y a rien. C'est juste une présence, essayer de, si on peut les attraper, les ramener à leurs parents. Et puis donc, on est citoyens, là, c'est tout le monde, hein. C'est pas des groupes ethniques ou rien du tout, hein. C'est la population, c'est citoyen. Voilà, c'est ce qu'on doit faire partout, hein. C'est être ensemble, protéger les biens, tous les investissements qu'il y a ici, hein. La priorité pour le GDPL Clanique de Bako, c'est de sécuriser les outils et protéger ce qui a été mis en place pour la population et les plus de 250 emplois créés dans la zone, dans ce contexte politique et économique tendu que le pays connaît actuellement. L'accès de la mine de l'Étoile du Nord est bloqué depuis hier, comme c'est le cas depuis dimanche soir, pour le site minier de Thiébaghi. Le relais de la CCAT de Koumac, rejoint par les coutumiers de la région, empêche désormais l'activité des sites miniers de la zone de Koumac, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
But de la manœuvre, que la mobilisation contre le dégel électoral ait un impact économique pour l'État. Les militants dénoncent aussi une forme de recolonisation par l'État et rappellent que leurs mobilisations sont pacifiques. En conférence de presse cet après-midi, les relais CCAT de Ponérewin, Poindimi et Touo ont confirmé le maintien de leur mobilisation pendant 15 jours, un délai dans lequel ils appellent les élus politiques à négocier un accord global. Une prise de parole dans laquelle ils ont également mis en garde le haut commissaire de la République, Louis Lefranc. Monsieur le haut commissaire, nous devons vous rappeler, vous alerter, vous mettre en garde sur le fait que les forces d'intervention de l'armée française ont été déployées. Vous avez été déployés. Nous vous demandons de prendre toute la mesure et de mesurer toutes les conséquences concernant la sécurité des biens et des populations qui se trouvent sur l'ensemble de la Kanaky, et ce, dans toute sa dimension, pour l'intérêt général et de fragilité publique qui est en place depuis ces dernières années. Voilà, merci. On entend parler de désarmement, on entend parler d'opération Victor. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas revivre. Par contre, nous, on a été surtout des enfants sages depuis. Derrière, vous voyez, on est positionnés, on assure avec tout le monde, on montre l'exemple aussi qu'il faut sécuriser aussi nos espaces, l'ensemble de nos bâtiments publics. Mais par contre, il ne faut pas s'amuser à nous prendre pour des enfants trop sages. Et on a surtout une grande pensée aussi, j'ai envie de profiter de cette antenne-là pour surtout souligner aussi le grand soutien surtout à l'ensemble de nos familles qui sont en détresse sur nos mers et puis surtout aux familles endeuillées. Voilà. L'occasion pour les responsables de rappeler que la sécurité des biens et des personnes relevait de la compétence de l'État.